sa monade. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et ta gloire, Seigneur. Père, tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair. Ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Mère, glorieuse et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons. Subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole. Oh.
tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta gloire. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps, je sais de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Tu es proche, Seigneur, de ta parole, sauve-moi. Psaume 124. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire. On s'en vient en chantant.
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par de son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et la parole, il la rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à la poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur à sa lumière. Elle est sauvée, nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. De Monseigneur Rouet, l'Alliance et le Verbe. Le vrai bonheur réside dans l'accueil, parce que cette attitude d'accueil est l'attitude même de Dieu envers nous, et parce qu'elle renferme le secret du Christ qui nous conduit vers le bonheur. Puisque son bonheur à lui consiste précisément à se recevoir de l'amour du Père, puis à nous le transmettre. Si l'attente place parfois l'angoisse au cœur, celui qui est en train d'attendre peut quand même être heureux en raison même de cette attente. Nous commençons à découvrir que le bonheur dont nous parle le Christ est précisément la joie de l'ouverture, la joie de ne rien fermer sur nous-mêmes, d'être disponible pour demain et donc d'être capable de recevoir Dieu de Dieu. Le bonheur dont nous parle le Christ constitue le vrai bonheur, parce qu'il est celui que Dieu veut faire naître au plus profond de nous. Alors, heureux ceux qui sont capables de le rencontrer et de l'accueillir. Dieu veut adapter l'homme à lui. Alors heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice de Dieu. Saint Augustin disait : Dieu, en faisant attendre, grandit le désir. En faisant désirer, il grandit l'homme. En grandissant l'homme, il le fait capable de recevoir. Thank you.
Louis le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre : tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Au poème majestueux de la création du premier chapitre de la Genèse, où toute chose s'ordonne progressivement dans la beauté, succède ce récit du second chapitre, beaucoup plus archaïque et pittoresque. Au dieu liturge succède un dieu potier qui de ses mains façonne l'homme à l'orée et non plus au terme de la création. Et l'on peut déjà dans cette succession de chapitres s'émerveiller de la foi des scribes qui n'ont pas voulu laisser tomber à terre une miette de la parole et ont choisi de conserver, accoler, ces deux récits de la création pourtant si différents. De quoi aussi décourager tous les créationnistes qui voudraient trouver dans ces écrits un rapport historique de ce qui s'est passé à l'origine, comme si l'origine était atteignable à partir de nos catégories d'espace et de temps. Mais ce récit, pour être d'ordre symbolique, n'en contient pas moins des vérités essentielles sur la nature de l'homme et sa vocation. Sa nature d'abord, qui paraît composite. Si l'Adam primitif est modelé à partir de la Adama, de la terre, s'il est donc un terreux, un glébeux selon la traduction d'André Chouraki, il reçoit aussi part à l'Esprit de Dieu. L'Esprit insufflé en lui dès l'origine, cet esprit que le Christ, nouvel Adam, soufflera encore sur ses apôtres à l'orée de la nouvelle création. Cet esprit est déposé en lui, comme le germe de sa participation éternelle à la vie de Dieu. Composé de terre et de souffle, l'homme a vocation à travailler à l'unification de ce donné, jusqu'à ce que tout entier, il passe en Dieu. Et qu'il puisse, par la médiation du Christ, entrer de toute sa plénitude dans la plénitude de Dieu, comme le dit la lettre aux Éphésiens. Et pour cela, une tâche plus immédiate lui est assignée : travailler et garder la terre. Maintenir et prolonger l'œuvre créatrice de Dieu dans sa beauté et sa luxuriance
permettre que cette création si diversifiée et si abondante porte ses fruits au bénéfice de la vie et du bien-être de tous. Tâche essentielle qui, plaçant l'homme au rang de co-créateur, lui donne le moyen concret d'œuvrer à sa propre perfection, à sa divinisation. Programme immense en même temps que patient travail qui demande de se soucier de l'écologie comme de l'économie et de les faire l'une et l'autre servir au dessein de salut de Dieu. Dans cette vision du jardin qui pourrait sembler idyllique, la question du salut, en effet, est déjà bien posée par la présence de ces deux arbres singuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'injonction divine, on peut d'abord noter qu'une permission est donnée et qu'elle est universelle. Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, tous les arbres, y compris celui de la vie, auquel, par la générosité du Créateur, l'homme peut goûter abondamment. Une seule restriction est posée, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car les valeurs de bien et de mal surplombent en quelque sorte l'homme et ne peuvent être déterminées au gré de sa fantaisie et de ses désirs. Parce qu'expliquait aussi saint Irénée, et à sa suite bien des pères, l'homme n'était qu'un enfant qui avait besoin lui aussi de mûrir avant de pouvoir accéder par la grâce de Dieu à un discernement pleinement éclairé. Il lui fallait pour cela que le modèle du Christ, le plus accompli des enfants des hommes, en même temps que Dieu, Fils de Dieu, vienne lui apprendre que la véritable connaissance réside dans l'amour, rouvrant ainsi pour tous le chemin de l'arbre de la vie. Nous te prions. Nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes sans domicile fixe. Suscite des bonnes volontés pour les aider et les assister. Nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour le monde des médias, que ceux qui travaillent aient le souci de la vérité et de l'équité. Seigneur, nous te prions pour les responsables politiques,
qu'ils agissent pour le bien commun et la justice. Nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce. Serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Sois fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et